Conscient du fait que l'orientation est une composante majeure de l'enseignement supérieur, l'Union libre des élèves et étudiants du Congo, ULECO, a initié une journée d'orientation des nouveaux bacheliers à l'amphithéâtre Tati Loutard. Ce processus d'orientation constitue un atout pour les nouveaux étudiants de choisir entre les différentes filières dans le dessein de permettre à ces derniers de poursuivre leur cursus académique. Diriger, c'est prévoir. Et il est essentiel que chacun d'entre vous s'implique pleinement dans la construction de son projet d'études. C'est pourquoi des initiatives comme celle-ci, ainsi que les efforts des ministères en charge de l'éducation, sont d'une grande importance. Les présentes assises ne sont pas le fruit du hasard, elles incarnent une volonté de tracer un chemin clair pour une orientation réussie et une transformation positive de nos futurs acteurs. À cette occasion, le doyen de la faculté de droit de l'université Marie Ngouabi a partagé son témoignage aux étudiants en rapport à son cursus universitaire. Agrégé en droit public, en droit privé, sans avoir voulu un seul instant de sa vie faire des études de droit. Pourtant, j'étais relativement plus âgé que vous, j'avais 19 ans. Et vous en avez pour la plupart 17-18. C'est pour vous dire que vous avez, pour prendre la décision sur ce que vous allez faire à l'université, vous avez besoin d'être renseigné, vous avez besoin d'être conseillé et vous avez besoin d'être orienté. À travers cette initiative, l'Union libre des élèves et étudiants du Congo est engagée à accompagner les nouveaux bacheliers dans leur cursus universitaire.